Casimir Ferrer, c'est avant tout un grand artiste, un immense artiste. Et ce que j'aime particulièrement dans ses œuvres, c'est tout ce qui me rappelle l'espace, une vision, un rêve, une beauté. Tout cela, je retrouve dans ce qu'il fait. Mais au-delà de cela, c'est un homme qui a un cœur énorme, immense. Et ça, c'est certainement ce qu'il y a de plus important pour moi chez Casimir. Quand je commence une œuvre, quelle qu'elle soit, le dessin, la trame générale de l'œuvre, dans ma tête, est terminée. Au cinéma, au départ, on retrouve l'écran blanc et petit à petit, le film va se dérouler et prendre forme et raconter l'histoire. Quand je suis devant une grande toile, surtout des toiles 4 mètres sur 2 ou plus grande encore, on pourrait croire que la peur vous étreigne et qu'il y a quelque chose qui se passe de néfaste, alors que pour moi, pas du tout. Tout ce que j'ai en tête, en fait, vont se projeter sur cette toile. C'est-à-dire que la couleur, le graphisme, je le vois. Et je vais me lancer sur cette toile et réaliser rapidement, très rapidement, un dessin qui va concrétiser ce que je ressens. Que ce soit dans la peinture ou dans la sculpture, le travail de l'œuvre d'un format très important, que ce soit une toile, que ce soit une sculpture, dénote chez l'artiste un combat avec lui-même. Il est confronté à quelque chose qui nous... dans son esprit, il ne peut pas réaliser. Et donc, il va essayer d'aller au-delà de ses possibilités. C'est bon, c'est fini. La sculpture, c'est pour moi bien sûr, c'est la légèreté dans l'espace. L'axillographie, je fais d'abord le dessin. Le dessin est très important. L'axillographie, sans dessin, ça ne marche pas. C'est un très bon dessin, complet et équilibré. À partir de ce dessin, je vais travailler avec un ami, Pierre Peyre, qui lui, par sa dextérité, qui va traduire ce que j'ai voulu faire en dessin, qui va le traduire en xylographie, gravure sur bois. Des exemples, on peut en voir dans plusieurs livres que l'on a réalisés ensemble, et quelques gravures qu'on a publiées déjà depuis quelque temps. Chez moi, la religion n'a pas une place importante, mais je dirais plutôt le sujet religieux. Le chemin de croix, l'église du Carla, sont des œuvres qui ont énormément compté dans ce que j'ai fait. L'église du Carla est un sujet... je dirais pas énorme, mais plus que ça. C'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi. C'est une œuvre qui est primordiale. C'est une œuvre qui a demandé beaucoup de travail et de réflexion. C'est une œuvre qui a demandé un retour sur soi-même, un retour à l'intérieur de soi-même très important. Et c'est pour cela que quand j'ai travaillé sur l'église,
les sujets venaient un peu comme un tapis qui se déroule devant moi. Dans les chemins de croix, j'ai fait deux chemins de croix. Il y a celui qui est à Belcastel, dans l'Aveyron, qui est assez intéressant, qui est particulier par son travail du verbe, particulier dans chaque tableau. Mais surtout, il y a le chemin de croix de l'église du Breuil, à Albi. Et ce chemin de croix est très intéressant pour moi car il est très fort. Peinture et sculpture, concrétisme. Le concrétisme qu'on retrouve d'une force très importante dans le sujet. L'acier sort véritablement du tableau et donne une force dans chaque action de la passion. Quelque chose de très fort était quelque chose de très fort intérieurement. Et dans ce chemin de croix, il y a une chose particulière, c'est qu'en fait c'est une œuvre où il y a plusieurs volets. Et quand on regarde bien ce chemin de croix, ça part du bleu, qui est une des couleurs froides, et qui vont petit à petit vers des couleurs chaudes, c'est-à-dire la lumière. Il y a des sujets récurrents, je pense à la musique, le violon. Bon, il y a eu d'autres instruments, hein, mais le violon revient très souvent. Pourquoi ? Parce que déjà mon fils est violoniste et déjà j'ai baigné dans l'apprentissage du violon quand il était tout petit jusqu'à maintenant. Et puis le violon, c'est pour moi le roi des instruments. Les messages sont très nombreux. Et sortent de cet instrument, c'est très important dans ce qu'il peut donner. Ensuite, bon, il y a la couleur que l'on va employer. Par exemple, dans le violon, le doré du laiton va accentuer cette partie musicale. On entend la musique. Le violon que je vais poser sur des parties métalliques, c'est un violon qui joue, c'est pas un violon immobile. Car dans toutes mes œuvres, ce qui prédomine souvent, c'est la lumière. Mais c'est surtout le mouvement. On dit souvent que je suis un humaniste, je suis très heureux, mais dans mon œuvre en général, ce que je veux, moi, c'est la joie, le bonheur, la vie. Dans les rouges, quand j'utilise ces rouges dans ma peinture, c'est la vie, la lumière. Et pour moi, c'est très important. Je ne veux pas ressasser des mauvaises choses, il y en a assez qui se passent dans le monde actuel.